Salut à tous à la salle, bienvenue dans Quelle rampe fonctionne le mieux pour aller loin? Bah oui, en fait les rampes elles sont plus ou moins inclinées, donc d'ailleurs on va partir avec la Krieger et on va faire ça avec plusieurs véhicules différents et on va voir donc là les rampes elles apparaissent. Donc vous voyez, il y a des rampes de tailles différentes. On va pas tester les 10 rampes ou les 10-15 rampes hein, bien évidemment. Attention! Ok, donc pour la Krieger avec la rampe la plus petite. On est ici. Alors c'est parti pour la rampe suivante. Alors comme vous voyez, on saute deux rampes à chaque fois. Comme ça, on fait pas les 4, 8, 2, 12, 16 rampes. Hein. On n'en fera que 4 à chaque fois, il me semble, 4 ou 5. Attention. Et on va jusqu'au vert. C'est parti pour la troisième Krieger, let's go. Alors attention, on est à la troisième rampe. La troisième rampe qui commence à être pas mal inclinée. Donc normalement on devrait prendre de la hauteur et on prend de la hauteur et effectivement on dépasse la rampe précédente. Donc pour l'instant... Attention, quatrième rampe. Alors là, ça commence à être vraiment incliné. Est-ce que ça va nous permettre d'aller plus loin? Est-ce que ça va nous ralentir? Telle est la question. Et c'est presque pareil. J'aurais dit un petit peu plus loin. Mais on va dire que ça se vaut. Rampe suivante. Alors là, par contre, ça va être très incliné. Ouais, là, ça commence à être très incliné. Et du coup, peut-être que c'est pas adapté. C'est ce qu'on va voir maintenant. Et effectivement, c'est pas adapté du tout. Et c'est parti, dernière rampe. Dernière rampe très inclinée. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, on est en super sportive. Donc forcément, la super sportive, on a vu que sur les rampes qui étaient très inclinées, bah, elles butent. Et je pense que ça va faire la même, et c'est même pire d'ailleurs. Donc les rampes trop inclinées, c'est pas bon pour les super sportives. Allez, en SUV maintenant, j'ai choisi le Tauros, qui est un véhicule qui va quand même très vite. En tout cas pour un SUV. Et on commence avec la toute petite rampe. C'est parti. Ouais. On bloque, bah on a atterri pile poil où on avait atterri en super sportive, hein, il y a encore les traces. Donc on bloque ici, c'est très peu. Deuxième rampe, c'est parti. Alors la deuxième rampe, elle est un peu plus inclinée. Donc normalement, elle va nous permettre d'aller un petit peu plus loin, mais pas énormément. Attention, let's go. Ouh, alors déjà, on voit qu'on va plus loin qu'en super sportive avec la même inclinaison. Donc pour l'instant, c'est le record ici. Troisième rampe en SUV. Attention. Troisième rampe en SUV. Qu'est-ce que ça va donner? Oh! What the fuck? D'accord. C'est un truc de fou. En SUV, donc déjà, ce qu'on sait, c'est que par rapport aux super sportives, on va extrêmement loin. C'est incroyable. Quatrième rampe. Pour l'instant, on détient le record avec le SUV, la rampe précédente. Est-ce qu'une rampe très inclinée comme celle-ci va faire l'affaire? Ah, malheureusement, non. Non, malheureusement, la rampe même, bah justement, peut-être trop inclinée. Et c'est parti, cinquième rampe, avant-dernière. Justement, là, ça va peut-être être trop incliné. Je sais que les inclinaisons sont énormes, mais c'est parce qu'après, il y a la moto. Oula, ok, ça passe pas du tout, d'accord. Dernière rampe, c'est parti à mon avis, on va rien faire du tout. À mon avis, on va s'arrêter net devant et on va se faire des gomme-gomme par la rampe. Let's go, c'est parti, attention. Eh oui. Ouais, bah c'était à prévoir, hein, étant donné que la précédente, ça avait fait un truc similaire. C'est parti pour les motos maintenant. Alors, on a vu que les SUV allaient plus loin quand les rampes étaient moyennes. C'est parti la moto. Ah! D'accord. Bon. Ben. Ok. Dégueulasse. Toujours avec la moto. Deuxième rampe. Let's go. Alors, à mon avis, la moto, c'est plus les grosses rampes. Ah. Quoique, on a dépassé le SUV, mais on n'a pas. Non, on n'a pas dépassé l'autre SUV. Allez, rampe suivante, let's go. À mon avis, ça va commencer à devenir bon.
Et encore, hein, pas sûr que cette rampe, elle fasse quelque chose. Ah si. Si, si, si. Et ben voilà, on a dépassé le SUV. En fait, il fallait une rampe mi-inclinée. Allez, c'est parti, rampe suivante. Alors là, à mon avis, on est de plus en plus bon. Allez. Ah non. Ah non, on va moins loin. Je pensais pas, on va moins loin. D'accord. On est à peine là où il y a un SUV, pourtant la rampe était plus inclinée. Avant-dernière rampe. Alors en moto, je m'attendais à ce que plus la rampe est inclinée, plus on va loin. Et en fait, pas du tout. C'est... Alors on va voir là ce que ça donne. Ouais, on va plus haut, mais on va pas aussi loin. Alors j'ai bien évidemment pris l'initiative de ne pas planer, hein, pour pas fausser le truc. Mais la moto est plus loin là-bas, ok. Et enfin, dernière rampe. Avec la moto très inclinée. Voyons voir ce que ça donne. Ouais, pareil, on prend de la hauteur et encore, hein. Tellement de hauteur qu'on est allé moins loin. Alors, on prend un peu de hauteur, donc... Vainqueur, c'est la moto, qui est ici en bas, avec la 1, 2, 3ème rampe. Ensuite, c'est SUV, avec la 3ème rampe également. En fait, c'est la 3ème rampe qui les fait aller le plus loin. Peut-être pas, non, sauf la super sportive, c'était la 4ème rampe. Quoique, ça se valait, 3 et 4ème. Donc, la 3ème rampe... 1, 2, c'est celle-là, 3. Donc c'est celle qu'on a montrée tout à l'heure, c'est celle-là la plus adaptée au saut. Ah non, 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 c'était la quatrième qu'on avait montrée, pour la super sportive. Et en fait, la plus adaptée, c'est celle-ci. Donc en fait, ouais, elle fait la taille du joueur à peu près. Mais elle rentre un petit peu dans le sol, légèrement. Et donc, pour avoir les meilleurs sauts, bah c'est cette rampe qu'il faut. Voilà, il faut la placer comme ça. Et c'est comme ça qu'on a les meilleurs sauts, quasiment, peu importe le véhicule. Moto, SUV, super sportif, je pense qu'on peut faire les tests avec d'autres véhicules. Ce sera toujours celle-là. Donc, rampe incroyable. On sait maintenant quelle rampe il faut. C'était un test à faire, hein, parce que c'est vrai que quand on place les rampes, on ne sait pas s'il faut mettre des petites, moyennes, grandes, s'il faut incliner, pas trop, oui. Bah, on sait maintenant que c'est la taille d'un joueur. Donc voilà pour ce test, on se laisse là-dessus, c'est tout pour cette vidéo, et moi je vous dis à tout à l'heure, ciao ciao!